Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer une tente surélevée. Attention, cette installation nécessite d'être plusieurs, du temps, des gants de protection et des chaussures fermées. Pour réaliser une tente surélevée, vous aurez besoin d'une tarière, d'une hachette, d'un ciseau à bois, d'une massette ou d'un marteau et d'un mètre. Vous aurez aussi besoin de 5 perches de 4,40 m de long, de 3 perches de 2,40 m de long, de 4 perches de 1,20 m de long, de 2 rondins et de ficelles. Cette installation nécessite 3 étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, la fabrication du cadre. Positionnez les deux perches de 4,40 m au sol parallèlement. Positionnez les deux perches de 2,40 m sur chaque extrémité perpendiculairement et ajustez pour réaliser un rectangle. Faites un mi-bois à chaque angle. Référez-vous à notre vidéo « Faire un mi-bois ». Sur chaque mi-bois, faites une mortaise. Référez-vous à notre vidéo « Faire une mortaise ». Positionnez la troisième perche de 2,40 m au centre de la longueur. Faites un mi-bois. Positionnez les trois dernières perches au tiers de la largeur. Testez et ajustez. Faites un mi-bois à chaque intersection. Étape 2, les poteaux. Déplacez la structure à l'emplacement final de la tente surélevée. Marquez l'emplacement des quatre fondations en dessous des mortaises de chaque angle. Déplacez la structure. Creusez à 25 cm de profondeur. Référez-vous à notre vidéo « Creuser des fondations ». Taillez des tenons sur les perches d'1,20 m. Positionnez les tenons dans les trous. Vérifiez qu'ils sont à la même hauteur et rebouchez. Référez-vous à notre vidéo « Faire un tenon ». Faites des cales en fendant deux rondins plusieurs fois. Référez-vous à notre vidéo « Fendre un rondin ». Puis taillez les cales en pointe. Enfoncez 3 ou 4 cales le long d'un des 4 pieds. Étape 3, l'assemblage. Posez la structure en bois sur les tenons. Vous pouvez désosser les perches et les réemboîter par la suite. Ajustez les pieds avant de renforcer les fondations avec les cales. Faites des brelages sur les mi-bois des perches intérieures. Faites un quart de mortaise, c'est-à-dire seulement quelques tours de tarière, sur les extrémités de la perche centrale. Référez-vous à notre vidéo « Faire une mortaise ». Montez la tente sur la structure. Plantez les sardines. Installez votre échelle. Vous savez maintenant comment fabriquer une tente surélevée.